Bonjour, ici Martine Lacasse en direct du Salon du Livre de Montréal. Je sais pas si vous le savez, mais je suis auteure aussi. Et donc, j'ai un livre et puis un scoop aujourd'hui. J'en ai un deuxième qui est écrit. Mais je suis en révision, puis ça tarde parce que c'est plus long pour moi de faire ce bout-là. Mais ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, je veux vous passer un message de ma passion, de mon cœur. Ce que je veux vous encourager à faire, c'est d'avancer dans ce qui compte vraiment pour vous, d'avancer dans vos rêves. Si vous connaissez mon mari, il pourrait en témoigner. Quand je suis arrivée ici au salon, quand je suis arrivée à l'entrée, ça m'a pris plusieurs minutes avant de passer ce seuil-là parce que je pleurais. Je pleurais toutes mes larmes de mon corps parce que je me disais « Hey, je commence à être vraiment proche de mon grand rêve de publier mon livre. » Puis c'est comment on fait pour garder ça actif dans sa vie, garder ça vivant. Mais aujourd'hui, je suis allée serrer la main de deux éditeurs, en fait. Donc, deux de mes éditeurs chouchous, je suis allée me présenter en personne, aller leur parler de mon livre, leur dire qu'il va être publié prochainement, puis que je les courtise, en fait. Alors, c'est ça aussi, garder vivant mes passions. C'est ça que je vous encourage à faire. Regardez, c'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi vos grands rêves? Occupez-vous-en, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire pour ça. Alors, à très bientôt! Ouais, d'accord.